Nous, c'est la compagnie Carabos. On est venu à l'occasion de Amiens s'illumine. C'est une compagnie dont la particularité, c'est de travailler le feu, la flamme, sous toutes ses formes, en fabriquant des machines. L'idée, c'est quand même de montrer un lieu que tous les gens connaissent bien, puisqu'ils habitent ici, mais de le montrer différemment et de se dire « Ah oui, c'est vrai que ça peut être vu comme ça aussi. » Les pauvres, regardez bien ce qui se passe. Dans chaque installation, voilà. En fait, on travaille avec des locaux. Là, on demande à un certain nombre de personnes de venir allumer avec nous. En fait, et là, on est presque autant, comme dit Barthes, de Carabos Canal Historique que de Carabos locaux qui viennent d'Amiens. On a tous plus ou moins la même mission, c'est-à-dire c'est vraiment assister tous les techniciens principaux. Enfin, concrètement, déposer les pots dans leur réceptacle. On va se dire qu'on a fait quelque chose ici que la plupart des Amiennois auront vu et autres. Donc moi je trouve que c'est assez enrichissant et ça me rend fier un peu. Mais là, c'est totalement différent, quelque chose que j'avais jamais vu. Surtout par rapport à la grue qui est posée à la cathédrale, la technique qu'il faut, être précis. Je trouve ça impressionnant quand même. Un centimètre à gauche. Peut-être pas trop en dévoiler sur la carte postale, sur le parvis de la cathédrale. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même spectaculaire. Que je pense que les Amiennois n'auront pas beaucoup l'occasion de voir la cathédrale comme ça. Ça plus authentique, les couleurs, l'odeur. Et ce que j'aimais le plus, c'était ce qui se passe ici dans ce parc. C'est y a une ambiance très mystique. Je trouve ça hyper sympa de se laisser guider à travers les flammes là, qui sont dessinées sur la ville. Bah, c'est magique. J'ai l'impression de se retrouver peut-être 800 ans en arrière où le feu, c'était forcément l'élément de vie. Surtout avec la flamme, là ça bouge, donc ça crée des ombres, donc on joue vachement sur ce genre de choses, sur des perspectives. Et les gens se parlent doucement, comme s'il y avait quelque chose à, pour entendre crépiter le feu. Et il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Le rapport au feu, c'est de toute façon quelque chose de vraiment inconscient. Que tout le monde a, donc ça permet quand même des rassemblements qui sont assez smooth, on dirait en anglais. C'est très doux. Mais là, ça fait 5 minutes qu'on regarde cette marmite de feu. Et voilà, on s'en remet pas, quoi. Je trouve que c'est sensationnel, en vrai. C'est beau, c'est magnifique. Les 800 ans sont une chaleur pour les Amiennois.